Je veux que vous puissiez vous asseoir. J'ai un petit enseignement. Et puis on va aller fêter. Ba mama balamba sobioko kitoko. Alléluia. Passe. Toujours souffrir. Hein, il n'y a pas de gens. Ah, mais aujourd'hui, on est dans la jeunesse, n'est-ce pas? Je voudrais prêcher sur la parole parlée et la semence. Vous croyez cela? Bon dimi ango. La parole parlée, c'est la semence. Lilobami yangonde momboto. Levez-vous, nous lirons nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. Botelema tokotanga la Bible na biso na moniseli. Zomi. Emon. Mokapona zomi eteni mokena kotanga misato. Apocalypse 10. Et moi, c'est le mot capona zomi. Le verset 7. Et teni moke na kotanga sambo. Et je descendrai. Et na kokita na se. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Kasi na mokolo na monze na sambo. Quand il sonnerait de la trompette. Tango akoula kelelo. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Liboma mina nzambe ekokokisama. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Et dit. Va. Kenda. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange. En lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le. Et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange. Et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Sur beaucoup de peuples. De nations, de langues. Et de rois. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste. Nous avons lu les Écritures. Totangi, Makolma Santo. Et c'est toi qui peux nous interpréter ces Écritures. Kasi yonde okoki kolimbo la biso makomi masanto oyo. Descends Seigneur. Kitankolo. Aide-nous. Sunga biso. Interprète pour nous ce que nous venons de lire. Limbo la pona biso o to yotikotanga. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi, le Seigneur Jésus. Ouvre le livre pour nous aujourd'hui. Et nous voulons manger le livre. Nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je dis la parole parlée et la semence. Nalobi liloba ilobami yangonde momboto. Je vais regarder la montre. Natala sana ngai.
Ah, puis vous avez un bus. Ici, il n'y a pas de bus. Hein? Seulement des taxis, moto. Au bel air, la taxi, moto, il y a tout pour tout. Je vais prêcher. N'a côté. Amen, amen. Je vais prêcher. N'a côté, ya. La parole de Dieu. L'iloba l'anzambe. Le message est Tinda et Dieu et Zali Nzambe. Vous pouvez dire à haute voix, la parole de Dieu est Dieu. L'iloba l'anzambe et Zali Nzambe. La parole de Dieu et Dieu sont un. L'iloba l'anzambe, benzambe bazali, moko. Répétez cela. Bozongela yango. Et la parole de Dieu vient au prophète. Peli loba l'anzambe et yaka epai na basakoli. Les prophètes ont le ainsi dit le Seigneur. Basakoli bango bazana oyo elobi nkolo. Et la parole de Dieu et le balanzambe reproduit Amen. Le fruit de l'âge. Et le balanzambe est botaka mbuma ya eleko. Aïe aïe aïe. Quand Luther était venu, tango Luther ayaki, il a prêché le juste vivra par la foi. Ateka été moyenge beni akobika na kondima. C'est seulement cette parole là bobele lilobo wana qui devait se reproduire. Yangonde sengala ki ebotam. Et cela a produit des gens qui croyaient en Jésus et ça s'arrêtait là. Pe yango ebotaki bato bandimela ki Yesu pe esuka ki wana. Et ils sont au ciel, au paradis aujourd'hui. Lelo bazali na lola na paradis. Ils croyaient que ce n'est pas l'église qui sauve. Andali kondima ete ezali eklesia tene biki saka moto. Ce n'est pas la parole d'une église qui sauve. Ezali loba na eklesia moko songolo tene biki saka moto. Mais croire en ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Kasi kondima oh Yesu asana ekrusu pona yo. Alors vous êtes justifié. Ne wana obengami moyenge beni. Vous êtes juste devant Dieu. Okomi moyenge beni bosona nzambe. Ça ne pouvait produire que ça. E kokai ko bota kaka ya bongo. Parce que cette semence là poete momboto wana n'avait que ça. Ezalaki kati na ngoka na bon moyo wana. Parce que la parole de Dieu est une semence. Paul liloba na nzambe ezali momboto. Si vous avez compris, dites amen. Soki bososo le bolo ba amen. Quand Wesley est venu, tango Wesley, il a prêché sur la sanctification. A terre qui l'icône la commis bouli ça doit commis pétola. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Zanga na yango motote a koyo komona nkolo. Et cela a produit des personnes sanctifiées. Pe yango e bota ki bato ba mi pétoli. Amen. Amen. Pourquoi? Paul anime. C'est cette parole là qu'ils avaient reçue. Paul était l'ilobo walande yango ba yambaki. La parole de Dieu étant une semence ne peut reproduire que selon son espèce. Amen. L'ilobo walanza be loko ezali momboto e ko bota be lo lenge na yango. Alléluia. Amen. Et puis nous avons une pentecôtiste. C'était un noir américain. Ezaki moto moyindo ya mboka America. Qui les a amenés un peu plus haut. Oh, amema ki bango mwa moke likolo. Et vous pouvez recevoir les dons du Saint-Esprit. Pe bango kozwa makabo ya moli omosan. Ils ont cru à cela. Pe bandima ki yango. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Bazwa ki likabo ya moli omosan. Que Dieu les bénisse. Nzambe apambola bango. Ils étaient capables de prier pour les malades. Bazaki na makoki akobondela pour la Babel. Les pentecôtistes ont fait un grand travail. Batola makabo basaki batwa molimo basaki mosala munene. Mais kasi ils n'ont prêché que ça. Bateki kaka yango. C'était ça la semence. Yango na la kimomboto. Amen.
Vous devez parler à langue. Vous devez parler à langue. Ils n'avaient pas la parole. Ils n'avaient pas toute la parole. Mais il y a une promesse au temps de la fin. Amen. Vers le soir. La lumière paraîtra. Pole komonana. Est-ce que nous sommes au soir de du temps? Bon, et au commun à pourquoi la tango? La semence originelle doit revenir. Mon bateau n'a pas de nez et c'est les zones à l'issue. Amen, amen. Et ça doit produire selon son espèce. Aïe, aïe. Amen. Il est écrit. Et comment, ma? Ça sera un jour bien connu de l'Éternel. Pendant que je prêche ici. Ana Oteyao. Il est ici à Gemena. Azali ao na Gemena. Il dit ça sera ni jour ni nuit. Allo bagade ko sala moite butu pété. Les gens seront hypocrites. Bato bakozala bato na bilongi mi balé. Ni chaud motote ni froid. Bio pété. Ils iront dans des églises. Bakolo bala masamo la bango. Ils iront dans des églises. Avec la Bible dans la main. Mais quand ils sortent, ils agissent comme s'ils étaient des démons. Ils oublient tout ce qu'ils avaient appris à l'église. Ce n'est pas notre époque. Oui. Mais vers le soir. La lumière paraîtra. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Paul dit Nin. C'est Malachi 4. Et Zali Malachi Amine. C'est Apocalypse 17. Et Zali Mondi se dit Zobi Mouetem Moukayasam. Dieu Nzam enverra encore une fois son prophète. A Kotinda Balamoro Lissus Moussakolinaye. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Mosakoli ne monoko na nzambi. Il viendra avec la parole originelle. Akoya na lilobo ya ebandeli. Allons dans l'origine. Tozong akuna na ebandeli. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Na ebandeli nzambe akelaki makolo pe mabele. Avec quoi? Na nini? Na liloba. Cette parole est retournée. Liloba ezongi lisusu. Amen. Cette parole, c'est le message de l'heure. Liloba yango nde etinda na tango. C'est cette parole qui avait créé les cieux et la terre. Neli lobo ekela ki makolo pe mabele. Amen. Je vais lire ça. Natanga yango. Genèse 1. Buku na ebandeli mokapo na liboso. Verset 1. Eteni pe na liboso. Au commencement, na ebandeli, Dieu créa les cieux et la terre. Nzambe akela ki makolo pe mabele. Vous pensez qu'il avait pris les matériaux pour commencer à créer la terre? Bino bokanisite azwaki bisale linde ya bandiko kela mabele. Qu'est-ce qu'il avait fait? Asala kinin. Il avait parlé. Aloba kikak. Et la terre a été créée. Pe mabele e kela maki. Rendu manifeste. Pe et mon ami Paul. Il a parlé seulement. Yeah, lobby kaka. Et il est resté tranquille. Pe afandinien. Je ne sais pas si ça a pris 1000 ans.
Ou 1 milliard d'années. Ce n'est pas le problème de Dieu. Quand Dieu prononce une parole, cela doit s'accomplir. On peut avancer un peu. Dieu dit, je suis déjà au verset 3. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Quelle puissance. Donc la parole de Dieu a la puissance de créer la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, sépara la lumière d'avec les ténèbres. Avançons. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques. Les jours et les années qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. De voir à la maison, on disait ça. Rentrons à 11. Qu'est-ce qui s'est passé à 11? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. La parole de Dieu est une semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Il a dit, faisons l'homme à notre image. À l'obaka toke la moto na elilingi na biso. À la ressemblance de qui? De Dieu. Na baula inanani na nzambe. Ça vous fait du bien. Hein? Je vais lire ça. Natanga yango. Puis Dieu dit. Benzambe alobi. C'est le verset 26. Wana etenya tukumba na motoba. Faisons l'homme à notre image. Toke la moto na elingi na biso. Selon notre ressemblance. Koko kala na kulu na biso. Et qu'il domine, qu'il domine, qu'il domine. Oui, Dieu doit dominer. Oh, Nzambe sengeli akonza. Oh, merci Seigneur. Matondi nkolo. Écoutez-moi bien. Boyo kanga malam. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Ok, lama na lingi na Nzambe. Vous aviez contourné votre propre théophanie. Et vous êtes venu sur la terre. Pour que Jésus soit votre sauveur. Si vous étiez entré directement dans votre théophanie, vous n'auriez jamais commis de péché. Il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui notre Père. Celui qui était dans la théophanie. La théophanie s'appelle le corps-parole.
Et il a commencé à prononcer la parole. Qui est la terre? Qui est la lumière? Qui est ceci? C'est lui qui avait tout créé. Mais un jour, il a quitté ce corps de Théophanie. Il est venu pour être semblable à ses frères. Vous voulez qu'on lise ça? Merci beaucoup. Jean chapitre 1er. Yohani mokapona liboso. Au commencement était la parole. Na ebandeli ezalaka liloba. Je peux avoir la Bible, votre Bible. Quelqu'un qui a la Bible ouverte. Okay. Seigneur, tu es merveilleux. Ezaki toko mingi. Comment ne pas aimer le prophète William Branham? Moi je suis son disciple. Ngai nazali moyekoli na ye. OK. C'est la même chose. Ezali ndenge moko. Parce que nous les prédicateurs nous ajoutons rapidement là. Et la parole a été faite chère. C'est nous qui ajoutons. Quand j'ai lu le prophète a dit la même chose. Je dis, ah bon? Je suis allé dans la Bible. Non, c'est pas la même chose. C'est au verset 13 que la parole a été faite, cher. Mais nous ajoutons ça déjà au commencement. Là. C'est pas vrai, prédicateur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous êtes avec moi? Et la parole a été faite. Cher. Et il a habité parmi nous. On l'a vu. Qui? Nan. Il est qui? Jésus-Dieu. Il est qui? Dieu. Dieu. Il est qui? Dieu. La parole. L'iloba. Il est qui encore? La semence. Azali pe momboto. Amen. Vous commencez à me comprendre? Vous parlez comme ça, Salongai? Faisons l'homme à notre image. Toi la moto et l'ingi na biso. L'homme doit être comme nous. Moto à saloko la biso. Mais il faut qu'il ne semence. Quand il s'engage dans momboto, puisse reproduire l'homme. Pour être kokako bota moto wan. Je crois que vous commencez à me comprendre. Naka sa obandi ko Salongai. Dieu existe déjà. Nzambe azalaka na ye. Comment vous serez comme lui? Ndenge nini yoko koma lokola ye. Dieu n'a jamais créé deux choses identiques. Nzambe atika kokela biloko mi balé kokana ndenge moko te. Pour que vous puissiez être comme Dieu, pote yoza lokola nzambe, Dieu doit vous engendrer. Et sengeli nzambe abota yoko bota. Amen. Alors Dieu a fait une semence, Dieu. Amen. Amen. Il faut que la semence Dieu puisse mourir. Et sengeli te momboto yo nzambe ekoka kokufa kopola. Quand il meurt, tant que momboto ekufi, il va produire beaucoup de fruits. Et ton ipe kobota mbuma ebele. Amen. Il ne veut pas mourir. Il reste seul. Amen. Je crois que c'est dans Jean 12. Hein? Merci beaucoup. Maton Dimingi. Oh Seigneur. Oh, cool. Je ne vais pas mourir. Oh, un ange est descendu pour lui dire, si tu ne meurs pas, tu restes seul.
Tu dois? Oui. Jean 12 combien? 24. Il a dit ceci. Et le babi boye. En vérité, je vous le dis. Il y a solo solo dans le banabino. Mino baye bosala kabilanga babengi awa Yesu grain. Vous qui cultivez la terre, ici on a appelé Jésus babengi mbuma. Une semence. Momboto. Vous commencez à comprendre? Je parle ici aux cultivateurs. Est-ce qu'il y a des cultivateurs ici? Ah, dans le bassin bilanga, bassin bilanga bazaliawa. Eh bien, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et côté kala yango moko. Mais s'il meurt. Il porte beaucoup de fruits. Amen. Jésus est venu. Yes, soyez. Comme la parole sémence. Loko la liloba momboto. Comment était la parole? Na ebandeza ki liloba. Et la parole était avec Dieu. Beli loba zake longo na nzambe. Et la parole était Dieu. Beli loba zake nzambe. La parole a été rejetée. Beli loba ebwaka maki. Mais tout ce que vous voyez ici. Kasinyo sa bozo monoyo. C'est lui qui l'avait créé. Yende motakela ki yango. Yende ce qui existe. Et lokote na oyo zana mokili. N'a été créé sans lui. Et que la mazanga te ya ki la yango. Il était parmi les siens. Azaki kat na boya ye. Et les siens ne l'ont pas reçu. Be bande ko na ba yambi ete. Ah, si. 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Yohani mokapuna liboso eteni mokia rotanga zomi na mibali. Lisons cela nous tous. Biso baso to tanga yango. Mais kasi à tous ceux qui l'ont reçu. Et pa na ba baso bayambi à ceux qui croient en son nom. Na ba oyo baso bazai kondima na kombo na ye. Elle a donné le pouvoir. Ye a pesi bango makoki de devenir enfant de Dieu. Yakokoma bana na nzambe. Un enfant de Dieu c'est qui? Mwana na nzambe ne nan. C'est un Dieu. Azali nzambe. Un lionceau c'est un quoi? C'est qui? Mwana na nkosi azali nan. C'est un lion. Azali nkosi. Quand il a 2 ans. Vous allez dire, oh, je vis un lionceau. Ah non, je vis un lion. Faites attention. Qui est bas, hein? Tout serviteur accompli est comme son maître. Amen. Bibliya lobi, Mosa l'union soya comme na kokomela azali lokola nkolo na ye. C'est Jésus qui a parlé. Yes, on a le baki yango. Tout serviteur accompli est comme son maître. Dieu veut nous amener à la perfection par les Éphésiens 4. Que nous puissions refléter l'image de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 4. Ba Efeso mokapona mine. Oh, nous sommes Ephésiens, c'est très bien. Oh, biso dans ba Efeso. Et ça malamo. Vous-même vous devez déjà atteindre la perfection. Yo moko Efeso et singulo koma na kobongo pe. Pour savoir amener les autres à la perfection. Nde wana pe komema ba susu ba koma na kobonga pe. On commence à 11, hein. Oh Jésus. Merci. Il a donné les uns comme apôtres.
Après, c'est là-bas, moi, quand le Thomas. Les autres comme prophètes. Basus le Colabas Sakoli. Les autres comme évangélistes. Basus le Colabas Parrainas Sango. Les autres comme pasteurs et docteurs. Basus le Colabas Kengeline Tonga Peba Lakisi. Pour le perfectionnement des saints. Ponako Bonga Be Yabasant. Oh, nous avons reçu le message. Oh, Toyambi Tinda. C'est bien. Malamu. Est-ce que vous savez que vous êtes parfait? Boy, Oye Bakaete Yo Bonga Be. Mais pourquoi vous vivez comme ça, avec les femmes? Paul a dit nos égoïsmes n'a pas si. Oh, je suis dans le message. Oh, la salle est tinda. Je suis Ephésiens 4. Nazario Ephésiens miné. Mais pourquoi vous ne faites que du tort aux gens? Paul, car si Paul a dit nos bossa la caca bateau ma b. Moté mama b. Amen. Motema Satana. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça les locaux moko yo tambo la tema la mukat na yo. Vous êtes Ephésiens 4 pour le perfectionnement des saints. Ozali Ephésiens ya mine pona kobonga be ya ba santo. C'est écrit aussi chez vous. Et comment peut bon pas la bino? En vue de l'œuvre du ministère. Pona tina na mosala ya ntomu. C'est ça. Yangoa. Votre ministère. Ntomu na yo. L'édification du corps de Christ. Kotonga mayanzoto na Christ. Non pas les diviser. Ezalite okabola nzoto na Christ. Mais l'édifier. Kasi kotkomisa yango na bomoko kolendisa yango. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Kino ete baso tokoma na bomoko ya kondima. C'est ça le travail du ministère. Yango wana mosala ya ntomo. Amener les saints de toutes les églises dans l'unité de la foi. Amen. Comme ma basantu ya masambo yonso na bomoko ya kondima. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Pena boyebi ya mwana nzambe. Jésus est Dieu. Yesu azali nzambe. Frère Branham est notre frère. Ndeko Branham azande ko na biso. Mais Jésus est notre Dieu. Kasi Yesu azali nzambe na biso. À l'état d'homme fait. Na lo lenge ya moto ya bongi ben. À la stature parfaite de Christ. Na epimolo ya bongi ben ya Christo. Donc amener le croyant à la stature parfaite de Christ. Et homme ba Christo, ba koma na ko bonga loko la Christo a bongi. Quand quelqu'un le voit, tant mutamoni. Dit ça ce n'est pas Jésus. Oh yes, tu hein. Quand les gens regardaient Branham, ça doit être Jésus. Oh, Jésus. Mais vous devez amener toute l'église à ça. Qui ne reste pas seulement des lionceaux. Qui puissent être des adultes dans la foi. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Yesu. Je veux qu'on écoute aussi les prophètes. Na lingite toyo kapé mosakoli. C'est comme si je parle moi-même. Et ça le quoi tenalo aningai moko. Frère Branham, parle nous un peu. Ndoko Branham lobela biso mo mokena. Paragraphe 100. Nzela ya kotanga mokama. Il dit ceci. Alobi boyi. La parole parlait à ses mots originaux. Car alité yawana. Il dit. Alobi. Paragraphe 80. Nzela otanga tukumwa. Commençons même à 100. Toba na tana mokama. Maintenant. Sikoyo. Souvenez-vous. Bomi kanisela. Chaque parole parlée de Dieu est une semence originelle. Liloba moko moko oye loba mi anzambe ezali mumboto ya ebandeli. C'est clair? Ezali polele. La parole de Dieu. Liloba anzambe est une semence. Eza mumboto. Merci. Matondi. Dieu a tout planté dans la terre. Nzambe alona nyonso kat na mabele. Par sa parole. Outan loba na ye. Et tant que vous vous tiendrez à la semence originelle. Tango nyonso oyo ko kangama na momboto ya ebandeli. Elle se multipliera. Momboto oyo ekoyikana.
elle se reproduira de nouveau. Yango ekomi bota lisusu. Parole 105. Il dit chaque semence. Alabi momboto moko moko produise selon son espèce. Et bota kokoka na lolenge na yango. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais pourquoi les gens ne changent pas? Parole 80. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'hybridation. On hybride. On hybride le maïs. On hybride même le du blé. Pour que ça donne un produit plus beau. Mais ce produit ne vaut rien. Il est pourri. Il n'a pas la vie au-dedans de lui. Na kat na yango ezali na bo moite. Oh frère Balamadi. Oh ne reprends pas le bi. Frère Balamadi. Ne reprends pas le bi. Frère Balamadi. Ne reprends pas le bi. Nous sommes au temps de l'hybridation. Toza na tango ya bo sangisa ka mimboto. Oh Jésus est déjà venu. Oh yes, aussi aye. Il avait toute la plénitude. Nous sommes au temps de l'hybridation. C'est pourri. Et poli. Une semence hybridée n'a pas la vie dans la semence. Ça ne peut pas donner un réveil. Ça ne peut pas donner la sanctification. Et les gens continuent dans leur péché. Parce qu'ils ont hybridé la parole. Laissez la parole tranquille. Videz-vous complètement. Mangez la parole. Que la parole devienne vous. Vous allez voir. Vous verrez exactement ce qui se faisait chez Pierre, chez Jacques, chez Branham, chez Paul, se reproduire en vous. Amen. Oh, comment on a eu salé ma pente avec la carte de Pétélo, Jacob, Père Branham, et qu'on s'en sous carte de ça commence à devenir un peu clair. Et bien, nous avons un peu clair. Oh, je suis docteur. Oh, Nathalie Molak ici. Donc, on a dit docteur qui n'est qu'opéré partout. So. Nous, nous voulons le message qui nous prépare à l'enlèvement. Amen. Biso to linga etindo eza ko lenga la biso na liné toi. Amen. Amen. Parole de nom 2. Celui qui observe tout ce qu'il a ordonné. Tous ses commandements. Il dit, vous voyez, celui-là aura droit d'entrer dans l'arbre de vie. Dehors les enchanteurs. Les chiens. Les impudiques. Et ainsi de suite. Dehors. Vous voulez servir Dieu? Vous attendez. Nous voulons servir Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Écoutez-moi un peu. Aïe, aïe, aïe. On peut aller dans Apocalypse 19? Vous croyez qu'il y aura un enlèvement? Dieu m'a dit de vous préparer parce que c'est très bientôt. Si vous faites les calculs, l'âge le plus court, et nous aujourd'hui, nous devons être plus courts. Il nous reste 8 ans. Et Dieu est libre. Il dit ces jours seront
abrégé. Alors mettez micro là, quoi, couteau à malissus. Oléli, on a niangua quoi yokayo. Si tu pleures, tu pleures. Si tu manques l'enlèvement, tu pleureras. Soit que zangi l'inetwa okolé là. Prends ce message au sérieux et prépare-toi. Ozoa et Tindo na yongi, pe omilengele. Apocalypse 19. Et moi, c'est mon capasso de la Liboa. Je commence au verset 6. Naabana etende ya motoba. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse. Pena yoki lokola mongongo ya ebena bato. Votre voix était là aussi. Mongongo na yo peza ki na kat. Ma voix était là aussi. Mongongo na nga peza ki na kat. Comme un bruit de gros eaux. Lokola makelele ya ebena mai. Comme un bruit de fort coup de tonnerre. Lokola lokito ya nkake makasi. Disons alléluia. Rekolo alléluia. Car le Seigneur notre Dieu tout puissant. Zambi Nkolo, Nzambe na biso na nguya nyonso est entré dans son règne. Akoki kati na bokonzi na ye. Notre Dieu Jésus-Christ. Nzambe na biso Jésus-Christ est entré dans son règne. Akoti kati na bokonzi na ye. Serviteur de Dieu. Nzambe solo. Si vous voulez que les gens vous écoutent, so lingete bato bayoka kayo. Élevez Jésus. Tombola ka Yesu. C'est ça mon secret. Wana sekele na ngai. Élevez Jésus. Tombola Yesu. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui règne. Yende moto azala bokonzi. Il règne dans son épouse. Azako konza kata mwasi libala na ye. Amen. Amen. Par verset 7. Eteni asambo. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Qui? Nani? Jésus. C'est lui qui mérite la gloire. Car les noms de l'agneau sont venus. Son épouse à Gemena s'est préparée. Moi si libala na yena Gemena a milengeli. Avant de partir. Liboso ya kokende. L'épouse doit s'habiller. Moi si libala senga a milatisa. Elle doit se préparer. Et senga a milengi, a milengeli. Vous voyez l'homme qui attend longtemps. Mbamso mona moto azeli mingi. Mais la femme est en train de se préparer. Mbobo la umeli, moi ça ça comme milengele. Une longue robe. L'olopu ya molai. Alléluia. Amen. Ce sont les œuvres justes des saints. L'homme molai wa les ali misala sembo ya basa. Peto pesa yekembo. Car les noces de l'agneau sont préparées. Poete bila mola mo na mpate lenga sala lenga mi. C'est 3 ans et demi. Mula misa tu nandam. De bonheur. Ya esengo. De fête. Ya bomengo na yenga. Au ciel. Kuna na lola. Avec Jésus. Elongo na Yesu. Avec les anges. Elongo na bangelu. Il a dit, je ne boirai plus du fruit de cette vigne. Jusqu'à ce que j'en boirai. Avec vous. Dans le royaume de mon père. 3 ans et demi de noces de l'agneau. Son épouse s'est préparé. Moi si na libala a milengeli. Écoutez la préparation. Voyez quand il a milengeli. Et lui a été donné quoi? Et peut-être là qui est nini? De se revêtir du fin là. Et de alata et lamba ya pete pete ya pembe. Car le fin là. Pour être lamba ya pete pete pembe. Éclatant et pur. Oh là il congenga pepe tout. Ce sont les œuvres de péché. Et là mais ça là ma sumo hein. Oh je pars dans l'enlèvement. Et là qu'elle nettoie. Oh je pars dans l'enlèvement. Là qu'elle nettoie. Les sumo tikate. Tu ne laisses pas les péchés. Toujours dans la pornographie. Tangonyo se retarde la filmé ma bé. Toujours dans les petites filles. Tangonyo se retarde mon abilenge basi. Okokendete. Tu maqueras l'enlèvement. Si tu veux aller dans l'enlèvement. Sois là qu'elle nettoie. Tu dois d'abord être propre ici. Et sengeli nano zala peto awa. Si tu ne changes pas ici, ce qui awa obongwani te. Comment tu changeras là-bas? Okobongwa la kuna na lola ndengeni. Mais tu es la même personne. Oza moto okaka yote. Est-ce que je suis clair? Boe nalobi polele. Tu dois d'abord changer. Et sengeli boso obongwana. Pour
l'avènement du Seigneur. Je crois que je suis clair. J'ai bien précisé. Ah, si tu rates l'enlèvement, ne dis pas que le pasteur a parlé. Le Seigneur est merveilleux. Il dit ceci. Alors, boyé. 9. Éternel bois. L'ange me dit, écris. Moi, dans le bilan, comment? Heureux ceux qui sont appelés au festin de notre Dieu. Et c'est mon abaye babengami na elambo na moi na mpate. Écoutez-moi bien. Oui, on a malam. Heureux. Et c'est moi. Ceux qui sont appelés. Baye na baye babengami. Au festin de notre Dieu. La nuit. Na enyanga na elambo na moi na mpate. C'est vous. Les alibino. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Tala moba na libala. Allez à sa rencontre. Kende ni kokuta na ye. C'est ala je l'Odyssée. Israël est connu la Odikia. Celui qui cria. Oya ganga kiwana. C'est l'ange de l'église de la Odyssée. Azali mwanze na ile kuna la Odikia. C'est le prophète William. Marion Branham. Ezali Mosakoli William Marion Branham. Donc vous êtes heureux. Et les gars, vous êtes battus dans scène. Parce que vous êtes invité à aller à la fête. Bon, au Benga Mbappé sur le casa au Kendena fête. Même moton la salité à Kokotakuna. Mais un homme sale n'entrera pas là-bas. On va lui demander comment tu es entré ici. Nous, on a une invitation. Te babenga kinga na lokaso oyo. Ah, balukana. Tourne un peu. Bongo oyo okoyaki na potopoto. Mais ça c'est quoi? Tu étais marché tombé dans la boue. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Bete la kola Yesu Kristo maboko. Vous me promettez que vous allez nettoyer votre robe. Dites amen. Voilà, amen. Ce n'est pas facile. Et ça peut être. Mais remettez-vous à qui? Quasi pona yango omitika na maboko na nzambe. Celui qui avait commencé cette œuvre en toi. Ye oya bandaki mosala kat na bomo inayo. Toi tu dois simplement lui montrer la volonté. Yo talisa ebeto zana posa malamu wana. Il achèvera. Akosili sa mosala kata bo moyina yo. Vous voulez que je continue? Bolingi na koba. Puis il me dit, pe alobi nangai, ces paroles. Maloba oyo. Quoi? Quelle parole? Maloba wapi. Le message du temps de la fin. Et tinda na tango na suka. Qui est d'accord avec moi? Na yandimili kambango boyina ngai. Oui. Frère Branham se retrouve là. Je dis que ces gens-là qui crient là, c'est nous. Mon gongo, c'est que le pas un abisso. Des voix d'une foule nombreuse, c'est nous. Et bien là, le bossola est bien là-bas, c'est l'abisso. Et là, c'est Branham. Et là, l'écho est à Branham. L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et le va le mettre et c'est mon abaye va bien amener l'ambo ya mon apathie. Oui, me dit. Père le bina ngai. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et Ezali maloba solo solo ya nzambi. Ce n'est pas la parole au niveau de Luther. Ezali loba na sanda Luther. Non, c'était qu'un commencement. Ce n'est pas au niveau de Wesley. Ya wazala bosanda Wesley. Ce n'est pas le pentecôtisme. Ah, ya wazala makabwa moli moté. Tozali kolo. Ces paroles maloba mayi sont les véritables paroles de Dieu. Ezali maloba ya solo solo ya nzambe. Je tombe à ses pieds pour l'adorer. Na koya kina makona ye po na kosambela ye. Et qu'est-ce que Frère Branham a dit? Ne ba ma binini. Garde-toi de le faire.
Je suis ton compagnon de service. Nazali moninga na yo mosala. Et celui de tes frères qui témoigne Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus. Et l'esprit de la prophétie. Amen. À travers le Seigneur Jésus. Peu importe ce que je fais. Et talitel kamoni nganza ko sala. Peu importe la perfection du message. Et talitel. Mais je suis qu'un prophète. Kasi nazali mosako. Ne m'adore pas. Bo sambela ngai. Adore Dieu. Sambela nzambe. Acclamez le Seigneur. Bo bete la kolo maboko. Les paroles que vous écoutez aujourd'hui sont les véritables paroles de Dieu. Au-delà de cela, il n'y en a pas. Toutes les religions prêchent la dénomination là. Ils prennent quelque chose de ce que le prophète William Branham a prêché. Ils lisent ça toute la nuit. Pourquoi? Pourquoi la nini? Il y a un désert dans les dénominations. Je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. 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 Nous au moins nous avons reçu le prophète. Vous croyez cela? Nous avons reçu son enseignement. Nous avons reçu son message. Mais il faut un changement. Parce que dans le message, il y a deux choses. Il y a l'enseignement. Mourir. Et il y a le baptême du Saint-Esprit. La puissance. La moisson. On ne peut pas cueillir un fruit qui n'est pas mûr. Il faut passer par la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ah, Dieu, Tikangai. Amen. Amen. Comment? Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous montez plus haut comme un astronaute. Comme un astronaute. Les gens ne vous comprendront pas. Vous savez, quand vous plantez, la première pluie s'appelle Mouré. Moula, yali boso babengi yango Mouré. Oye yaka poete e bandakotoa. Okay. La première pluie, c'est l'enseignement. Yangonde malakisi. Frère Madame dit, ne l'hybridez pas. Ndeko pa malobete o sangisa sangisa mbuma wana te. D'aller pas aussi pour voir est-ce que vraiment ça se trouve là. Ok, ne pète o ku. O kundola tonye tapote ota soki mbuma na kate o sala bongo te. Même si vous n'avez pas lu toutes les brochures. Attends, Jésus est avec toi. Yes, soit le monde ailleurs. Même si tu ne sens rien. Attends, soro yo kaka le kokombité. Jésus est avec toi. Yes, soit le monde ailleurs. Il t'a donné des signes quand même. Tu sais que Dieu dit, Jésus ne t'a jamais abandonné. Amen. Amen. Mais il y a une pluie qui vient pour la moisson. Quand ça commence à descendre, vous savez que le maïs commence déjà. C'est vrai, mes soeurs. Je vous dis, bientôt c'est la moisson. C'est l'année.
du jubilé. Quand les boîtes marchent, les aveugles voient. Libère tous les cas, c'est l'année du jubilé. La 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 la. Oh 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 oh. C'est l'année de la moisson, mes frères. Vous croyez à cela? Bonne nuit, Ango. Oh, Frère Bana m'a dit. Oh, ne pas malobi. C'est bon. Et ça, madame. Mais le Saint-Esprit doit aussi faire. Car si mon nom est Saint, tu peux s'engager à la Mosala. Dans son épouse. Car tu n'as moi si libre à naïe. Quelqu'un peut dire amen à cela? Motarolo va amen à Ango. Je veux lire. Natanga. Paragraphe 285. Zela rotanga kami bala tukuma mina mitano. La parole parée la semence originale. Liloba liloba mieza mboto na bandeli. Je crois que c'est le temps de la moisson. Nandi miete zali tango ya kobuka mbuma. Le temps de la moisson est proche. Tango ya kobuka mbuma ebelemi. Comment? Kobuka te kaka. Oh, nous sommes dans des messages. Et même les dénominationnels, même les patriotistes sont plus que nous. Ah, tabato bon sang. Bato ya ba moli mo ba patriotiste do ba bien patriotiste pasal kolekata biso. Comment? Tu as son idée? Nous n'avons pas honte. Vous me comprenez très bien. Bon, ça sera malamo. Maintenant, ça ça y puis. La semence là attend la pluie de l'arrière saison. Momboto wana ezali kozela mbula o ya kobuka mbume nuka. C'est là qu'elle produit ses fruits. Il y a Oualandé, il y a un beau tambouma. Frère Banana crie. Hey! Et il dit, je crois, j'espère que vous saisissez cela. Alors l'espèce de la semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce sera ça l'espèce de la récolte que vous moissonnerez. Paragraphe 295. Quand vous semez les arachides, vous allez vous attendre à recevoir le maïs. Si vous semez les arachides, au temps de la récolte, vous allez avoir quoi? Les arachides. Pour le message du temps de la fin. Si vous aimez ce message, vous aurez de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Le jour de la semence et de la moisson. Quelqu'un peut dire amen à cela? Aïe, aïe, aïe. Et Frère Madame m'ajoute à 297. Mais la parole restera seulement avec les élus. La semence royale. Alors il va crier amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui nous créent des problèmes parce qu'ils ne sont pas des élus. Ah. Et ça n'a pas de belle ma pote la cabine ma campagne, ça va pour ma bonamité. Est-ce que c'est la vérité? Comment quelqu'un qui part au ciel? Mais il va créer des problèmes. Ah, Lukabeko bota makam. Makambope est sur la terre. Il va amener au ciel tous ces problèmes-là. Non, il passera par la période de la grande tribulation. Il dit, il ne partira pas dans l'enlèvement. Ah. Vous voulez aller critiquer Jésus là-bas? Non. Frère Barouti ici est en train de manifester Jésus. Frère Barouti. Vous refusez. Yo, oboi. Frère Banam a manifesté Jésus. Vous l'avez refusé.
Jésus a manifesté Dieu. Mais on l'avait refusé. Mais ceux de Dieu avaient reçu tous les prophètes à leur époque. Ils avaient reçu Jésus. Ils avaient reçu Paul. Ils avaient reçu Branham. Et Jean a dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Amen. C'est ça que Frère Branham dit, c'est pour les élus. Amen. Ah, Jésus. Oh, yes. Enceinte, tes enfants. Frère Branham dit, auparavant 371. La dernière chose que nous avons exprimée, c'est que Dieu a fait l'homme à son image à lui. Selon son espèce à lui. Dieu a fait un homme selon son espèce. Oui, je crois à ça, frère Branham. Vous croyez à ça aussi? Donc vous êtes l'espèce de Dieu. L'espèce de Dieu, c'est vous êtes qui? De Dieu. Zambi. Ce qui est écrit. Oui, comment? Est écrit. Et comment? Vous voulez que je vous montre là où c'est écrit? C'est dans vos Bibles. Et comment dans la Bible, la Bible? Prenez avec moi. Ah, merci. Oh, il y a des gens qui connaissent tout ce que je prêche ici. Jean. Jean 10. Ce n'est pas moi. C'est écrit clairement que vous êtes de Dieu. Vous croyez à cela? C'est écrit. Est-ce que Dieu peut vous tromper? Jamais. C'est 34. Hein? Mon Dieu. Ils connaissent ça très bien. Jésus leur répondit. Yes, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, Nalobi, vous êtes de Dieu. Bozali banzambe. Le ciel Lola. Et la terre Mabele. Passeront. Ekoleka. Mais ce qui est écrit est écrit. Ekomami. Ça ne passera point. Ekoleka te. Ah bon? Alors, Nabongo. Allons là où c'est écrit. Tant qu'elle n'est pas Ekomami. Dans Psaume 82. Ekomami nanzembo tuku mwambe nami balé. Verset 6. Donc Dieu l'a déjà dit. Oh, moi je ne suis pas Dieu. Tu es Dieu. Psaume 82, 6. Lisons ça nous tous en français. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Oh frère Banama Zanzambe, il y a un seul Dieu. Son nom est qui? Jésus. Comment est Jésus Christ? Vous aussi vous êtes Dieu. Mais vous êtes le fils de ce Jésus-là. Quand sa semence est tombée à terre, il a produit plusieurs dieux. On les appelle aussi Dieu. Un lion qui a eu plusieurs lionceaux, ce sont des lions. Amen. Je crois que c'est clair. Vous avez compris? Si vous avez compris, dites amen. Encore une fois, amen. Je n'étais pas venu pour rien. Je vois que quand je partirai, vous verrez.
na ndimie te tawala rokenda bokomona. Amen. Dieu agira. Nzambe akosala. Dieu parlera. Nzambe akoloba. Dieu travaillera. Nzambe akosala mosala. Dieu marchera avec vous. Nzambe akotambo longo na bino. Amen. Ça sera pas seulement de petits dons. Eroza kaka makabo ya mike mikete. Vous aurez des grands dons. Bokozwa makabo ya minene. Mais casse. Fais ballon 10 sessions par an 382. Il faut lui être agréable. Il faut se vider. Il faut manger les paroles du message. Vous écoutez ça. Et vous criez Amen. 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 Juste à ce que vous oubliez, vous devenez vous-même le message. Fais madame dit, au paragraphe 382, il dit, c'est ce qui a été mon motif. C'est ça mon objectif. C'est la parole de Dieu. C'est de lui être agréable. Je ne peux pas écouter tout ce qui se dit. Je crois à la parole de Dieu. Je ne peux pas non plus écouter tout ce qui se dit et être agréable à Dieu. J'ai déjà un message. J'écoute ce que mon époux a dit. Mon motif, c'est de le connaître, connaître sa parole, d'être agréable à Dieu tous les jours. En le servant selon sa parole. Amen. Je ne rejette rien. Amen. Amen. Nako changé robe wana message na ndenge na ngateo sonela nga yango ekoma malama. Tika message ndenge ezali. Laisse le message tel qu'il est. Est-ce que c'est clair? Bon ezali polele. Est-ce que vous êtes content? Oui, bon c'est peli. La parole est dans les pouces. Lilo beza kat na mwasi libala. Je suis fier d'être devant l'épouse et de lui parler. Nazali na essayer de poser moi si bien les copains qu'on l'obat naie. Amen. Amen. La parole est dans l'épouse. Lilo Benali quatre na moi si libal. La colonne de feu aussi est dans l'épouse. L'icône na moi ton père Benali quatre na moi si libal. La chose qui vous attire. Et là que je viens d'abino. C'est Dieu. Et ensemble. Parce que vous êtes son enfant. Pose ali moi naïe. Dieu était au-dessus de nous. Zambe azaya ki li kolona biso. Mais aujourd'hui Dieu est en nous. Kasi lelo nzambe azali na kat na biso. Nous l'avons vu en Jésus-Christ. Tozali nzambe nzala Jésus-Christ. Tozali nzambe. Nous l'avons vu en Jésus-Christ. Tomo naïe pa na Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce Jésus-là est en vous. Qu'est-ce qui l'empêche de prier en vous? Vous devez vous vider de toutes vos pensées personnelles. Jésus doit être Seigneur de votre vie. Maintenant et pour toujours. Ça, il produira au centuple. Il produira un fils de Dieu, une fille de Dieu en vous. Je suis presque à la fin. Ne ressemblez pas à la Vierge folle, pardon. Pardon vraiment. Ils ont vu le message. Ils ont refusé. C'est pour cela que nous les appelons vierges. Toi, tu es dans le message.
Si tu restes, je ne sais pas quel nom on va t'appeler. Soki ozangili netwa, na ebite komboni bakobenga yo. Le frère Branham. Ndeko Branham. Un jour. Mokolo moko. Le frère Branham va recevoir un message. Aye kozwa etinda moko. C'est Dieu qui lui a donné cette prophétie pour vous. Nzambende apesa ye esakoli wana pona bino pona yo. Il dit. Alobi. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume. Et d'écrire. Pour vous ici à Gemena. Le Saint-Esprit vous a envoyé un message. Pour savoir ce que Dieu va faire avec vous. Pour chaque église du message, le Saint-Esprit vous a écrit un message. Chacun de vous doit reproduire Jésus-Christ. On doit voir Jésus dans l'église du temps de la fin. Amen. 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 Non pas seulement par Frère Madame a dit, Frère Madame a dit. Et aussi par la dynamique. Kasipe nanguya. Aussi par les œuvres de Jésus. Lisusupe na misala na Yesu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Moto akolo ba amen na yango. On va vous appeler magicien. Parce que Dieu a promis de se manifester en vous. Un soir, lorsque je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'église. Je veux vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Voici ce que j'essaye de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. D'après Genèse 1:11. Cette même loi s'applique aussi à l'église aujourd'hui. La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra. La semence du commencement viendra au temps du soir. Les sept tonnerres. Et sera semblable à la semence originelle. Yango eko kokana na momboto ya ebandeli. Quand vous regardez Branham, vous voyez Jésus. Exactement comme la semence qui était tombée à terre. Ce n'est pas lui. C'est lui. C'est la semence de reproduction. C'est la loi de reproduction. Le grain qui est tombé à terre, par exemple, l'isangu, c'est quoi? Maïs. Maïs. Mbuma ekwe na mabenda kisatozo wa masangu. Quand le maïs reproduit beaucoup de maïs, ce n'est pas la même chose. Tango mbuma wana ya lisangu, eboti masangu ebele, za indenge moko te. C'est la même chose. Eza ka indenge moko. Mais ça vient du maïs original. Kasi euti na lisangu ya ebandeli.
Ah, Jésus. Oh, Jésus. La kisabana yo. Apprends à tes enfants. Écoutez la prophétie. Boyoka et Sakweli. Kitoko, hein? La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra. Et sera semblable à la semence originelle. Parce que c'est la même semence. Dieu, dans ces derniers jours, la véritable église, la semence de Christ viendra. À la pierre de fête. Mon bot en Christ eko comme na libanga na moto. Elle sera super, la super église. Pe yango kozala eklesa oye bongi be e bongi be. Là, wana. C'est une prophétie. Ezale sakoli. Ce qui est écrit est écrit. Oye ko mama, eko mama. Ça doit arriver. E sengele koma wana. Dans l'église paraîtra. Tango l'église est comment là? L'église paraîtra. L'église est comment là? Et sera semblable à la semence originelle. Parce que c'est la même semence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse. L'église est solo moi si libala. De Christ. Moi si bala Christ. Viendra à la pierre de fête. Akoya na libanga la moto. Et elle sera la super église. Une super race. Alors qu'elle s'approchera. Qu'elle s'approchera de lui. Chaque jour on s'approche de lui. Chaque jour on s'approche de lui. Et on devient de plus en plus la super race. Le membre de l'épouse seront semblables à lui. Au point d'être exactement à son image. Oh, na motindo ete baza la penza na elilingi na ye. Exact. Penza à son image. Na elilingi na ye. Ça c'est la prophétie. Oh, on est sakoli. Ça doit s'accomplir. Eh, sengele kokisama. Vous serez exactement à son image. Eh, sengele baza la penza lokola ye. Oh Jésus, Tikangai. Oh Jésus, laisse-moi le prêcher. Vous serez exactement comme lui. L'épouse de Jésus du temps de la fin. Les gens vont vous prendre pour des magiciens. Vous prononcerez la parole. Et Dieu l'accomplira. Est-ce que vous me croyez? Ce n'est pas seulement pour Branham. Ce n'est pas seulement pour Baruti. Ce n'est pas seulement pour Branham, mes frères. Voyez, vous le verrez s'accomplir. C'est pour nous tous. Nous, serviteurs de Dieu. Nous verrons Dieu nous honorer. Dieu va nous honorer du ministère de Jésus dans son épouse. Alléluia. Amen. Vous verrez la parole de Dieu. Amen. Rendu manifeste. Amen. Au temps de la fin. C'est une prophétie qui vient du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut vous tromper? Amen. Vous croyez que Frère Branham est un véritable prophète? Moi je le crois. Et ici il dit que c'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Je crois au prophète. Il dit les membres. De l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image et ce en vue d'être unis à lui
bongo po ete bako wako sangana na ye. Isero. Bako koma moko. C'est pour cela moi, même quand quelqu'un est en train de m'injurier, je prie déjà Dieu, ne lui fais rien, ne lui fais rien, ne lui fais rien. Netina wala, ngai tango mozaza ko shinga ngai, ngai la banali bosa bosa ko bonela nzamba binzambe, ko sala ye lokote, ko sala ye lokote. Si quelqu'un vous attaque, ceux qui m'ont abondi fio, il met son doigt dans l'œil de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu vivant. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Le message est venu par les prophètes. Et nous prenons ce message. Nous mangeons cela. Les gens vont se moquer de nous. Mais nous sommes des petits prophètes. Dites seulement ce que le prophète a déjà dit. Amen. Amen. Et vous serez de vous allez manifester la parole. Vous serez la manifestation de Dieu. Jésus était la manifestation de la parole. Quand la parole était devenue chair. Vous aussi, la parole deviendra chère en vous. En vous. Oh. Merci. Oh, ma tombe. Et il dit, les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Même si ma tante parlait, ils doivent premièrement croire au message. Et c'est que Dieu vous bénisse. Oh, nous avons pas pour la bino. Comment ça va se faire, frère Branham? Comment ça va se faire, Saint-Esprit? Il dit la parole de la promesse est venue à Marie. Cette parole de la promesse, c'était que Dieu lui-même était et allait être quoi? Manifesté. Et Dieu a été manifesté. Et c'est Dieu lui-même qui a agi. Il dit, remarquez l'harmonie. Amen. La parole est dans le pouce. La parole de la promesse est où? Dans le pouce. Ça va faire la même chose. Ça va faire la même chose. Il dit, la parole et dans l'épouse. Comme elle était en Marie. L'épouse a la pensée de Christ. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Oh Jésus. Car elle a le ainsi dit le Seigneur. Zambi, moi je suis allé na yango le binkolo. Alors, na bongo. La parole est vivifiée. Amen. L'iloba ezibo moi. Le réveil. Kola muka. La dynamique. Nguya. Et dans la parole qui est dans l'épouse. Amen. Les sept tonnerres. Amen. Et la parole est vivifiée. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Quand il parvient au baptême du Saint-Esprit. Cette parole qu'il a reçue, le message de Frère Branham, est vivifié en lui. Et elle s'accomplit. Et
accompli. Comme une semence qui a été plantée et arrosée. Ah, il ne faut pas s'arrêter seulement à écouter. Il faut arroser jusqu'à atteindre le baptême du Saint-Esprit. Alors cette parole deviendra vie en vous. Et elle arrive à son plein épanouissement. Et comme Mokolo Katinayo. Amen. Amen. Accomplissant son but. Wana et kokisi posa na yango. Je crois que je peux m'arrêter là. Je vous donne un devoir. Lisez ça à la maison. C'est la page 164. Exposé de cet âge de l'église. Ce que j'ai dit, ça suffit. Est-ce que j'ai dit la vérité? Alors.